Et yo tout le monde, on se retrouve pour une présentation de mes films d'horreur. Donc je porte un masque sur la tête. Voici, voici. Voilà, merci de ce recadrer. Donc on commence par Scream 4. Donc un très bon film. Oui, un petit peu vieux quand même. Bon, on va le poser là. On continue avec Saw 2. Il y a aussi le chapitre final. Après, on a Ghost Rider. Bon, je sais pas si c'est un film d'horreur ou pas, mais bon, je l'ai mis quand même dedans. Attends, je vais enlever mon masque. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu, hein, c'est celui-là. Je vous le présenterai dans une des vidéos. Après, on a Nuit. On a donc, j'ai pris la caméra en main. Hein. Allez, petit focus. Attendez. Là, j'espère que ça a bien réussi à faire le focus. Bref. Après, on a Nuit. Serial Killer. Le vrai, là, il y a marqué. Souviens-toi. Et la Saint-Valentin. Donc voilà, après, on a Intraçable. Aussi un très bon film d'horreur. Hein. Attendez. Film mes pieds. Non, c'est bon. Après, on a ça, The Branch of Demon, je sais pas quoi. Alors, lui, je peux pas vous dire. D'accord, c'est un film gothique. J'avais pas vu. Donc il suffit, je peux pas vous dire de bien, mais que j'ai jamais vu. Ça c'est mon masque. Après, oh merde, il y a peut-être un petit classique. Je sais pas si d'autres le connaissent. Non, je vous dis pas le nom des histoires non plus, vu que c'est à vous de voir. Voilà, après on a. Ah, Alors, lui, je suis sûr que vous le connaissez, bon, il est un petit peu dégingué. Mais qui date. Il n'y a pas, hein. Il n'y a pas. Il date de quand même. C'est Jack Frost. Après on a lui. The Maniac Tracer. Bon, lui. Lui aussi, plutôt, vous devrez le connaître. En fait, c'est. Un mec qui est fou qui se retrouve dans un hôpital psychiatrique et il tue tout le monde. Attendez, on va faire un petit peu tomber. Oh, alors là, on est un petit peu le coffret de Freddy. Donc attendez, vous allez rien voir. Je suis désolé, mais bon, vous allez rien voir. Bon, le masque qui est ici, en fait, j'ai fait une ouverture d'une d'un ah, de l'emballage. J'ai déjà fait l'unboxing et tout, bref. On a lui. On a lui. Bon, je vais partir les voir juste après, je pense. Et là, ça va entendre aussi. Bref, après, on a lui. Bon, lui, je ne conserve pas trop comme un film d'horreur, mais bon, je le mets. Hein. Le truc que j'ai carrément oublié de zapper. On a Tentacule. Qui est un film assez bien. Oh merde, c'est comme ça. Après, on a Prime Reval. Le retour des morts vivants. Et la revanche.
Bon, là, j'ai arrêté de parler. Hop, on va y montrer quand même un petit peu vite parce qu'après, c'est peut-être des trucs que vous connaissez, hein. Allez, peace pour une prochaine vidéo!